Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'invitation qu'on m'a faite de venir vous parler ici du web sémantique. Alors, commençons par établir clairement la problématique. Okay, je ne sais pas quel est votre horizon à vous ici, mais c'est probablement très, très diversifié. Alors, je pense que vous n'aurez pas de mal à accepter le fait qu'il y a beaucoup d'informations culturelles disponibles sur le web. Si vous cherchez des informations culturelles, vous allez trouver. Okay. Le problème, ce n'est pas l'information qu'on a. Le problème, c'est que ces informations, elles sont dispersées. Elles sont pas. Si vous voulez faire des regroupements, si vous voulez faire des agrégations d'informations, là, vous êtes un peu. Vous allez avoir des problèmes. Okay? Et surtout, le vrai problème, celui que je vais aborder aujourd'hui, celui qui concerne le web sémantique, c'est que ces informations sont peu structurées. Essentiellement, ce sont des textes. Okay? Et vous savez, vous allez sur des sites officiels dans le monde de la culture, je pense à la BNQ par exemple, vous allez avoir des métadonnées, mais le contenu comme tel, ça demeure des documents essentiellement. Okay? Que je sache, je vais attendre que Marielle va nous dire tout à l'heure, là, mais que je sache, les contenus sont encore pas formalisés. Et si ce n'est pas structuré et si ce n'est pas formalisé, ça va être difficile de faire de tout ça un web sémantique. Donc, la conséquence de cette situation que je viens de vous poser ici, c'est qu'on rate une bonne occasion de développer des applications utiles qui pourraient bénéficier de ces informations. Okay? Alors, un exemple, si vous prenez les grands organismes culturels au Québec actuellement, que je sache, que je prenais la BNQ, les musées, que je sache, elles ne sont pas intégrées, ces données-là. Okay? Donc, si vous voulez savoir... faire un lien entre une peinture d'Alfred Pellan et des documents qui ont été écrits sur Alfred Pellan ou écrits par lui, ben c'est pas évident d'être capable de faire des liens de manière facile. Si. Et puis, autre conséquence, c'est que les liens qu'on peut établir actuellement, admettons, les liens sémantiques, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, par exemple, le lien entre une œuvre écrite par un peintre et les œuvres qui parlent de ce peintre-là. Donc, il y a une notion sémantique ici. Il y a l'auteur de l'œuvre pictural, il y a l'auteur d'une œuvre qui parle de l'autre auteur d'eux. Donc ça, c'est du sémantique. Ça, c'est difficile d'atteindre ce genre de répondre à ce genre de besoin-là de recherche avec le web actuel. Ça va? On s'est bien compris? Je peux rentrer dans le vif du sujet maintenant? Prenons un exemple. OK? Alors, le moulin Père Honorat. Le connaissez-vous, le moulin Père Honorat? Il n'y a personne de Chicoutimi ici, la Terrière. Alors, c'est un bel édifice patrimonial. Je suis allé au hasard. Je suis allé dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec et je suis allé voir le Moulin Père Honorat. Alors, mon point d'entrée, alors vous avez des informations dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec, mais si vous cherchez plus sur le web, vous allez voir que la ville de la Terrière, bien maintenant qui est un arrondissement de Chicoutimi, a des informations sur le Moulin Père Honorat. Érudit, qui est un centre ici à Montréal qui regroupe une énorme quantité de revues savantes dans les sciences humaines notamment, a des articles dans des revues qui parlent du Moulin Père Honorat. Bien sûr, dans Wikipédia, il y a des informations sur le Père Honorat. L'Association des propriétaires de maisons anciennes du Québec, ils ont un site qui parle entre autres de la maison du Moulin du Père Honorat. Il y a un site qui s'appelle Le Monde en images, qui donne des images de différents monuments et édifices patrimoniaux. Il y a un site qui s'appelle Les lieux patrimoniaux du Canada. Kijiji, parce qu'en fait, il est à vendre, le moulin. OK? Ben, je vous préviens que c'est 1 million pour l'acheter, là. J'ai regardé, parce que c'est quand même un beau coin. Mais quand même, on sait que... Et puis, Luc Fortin, architecte, il a fait la rénovation du moulin Père Honorat. Alors, je pense que vous avez bien compris, il n'y a aucun lien entre tous ces sites d'informations-là. Mais j'aurais aussi compris avec moi que ça serait intéressant de pouvoir faire des liens entre ça. Okay? Mais ce n'est pas possible actuellement. Okay? Donc, vous avez compris, c'est ça l'idée qu'on veut atteindre. Gilles Vigneault, c'est un populaire chanteur québécois. OK? Parce que vous avez dit, j'ai pris un truc patrimonial, mais ça marche pour tout, là. Gilles Vigneault, il y a son site officiel, il y a Wikipédia. Radio-Canada a des bibliographies de personnalités. Pensez-vous que ça, c'est lié au site officiel de Gilles Vigneault? Pas du tout. Et à Wikipédia, pas du tout. Québec, la Société de musique contemporaine du Québec a une fiche sur Gilles Vigneault.
L'Encyclopédie canadienne. Il y a des salles de spectacle. Gilles Vigneault est en spectacle là, dans je ne sais pas où dans les prochaines semaines. Il y a des sites là, qui en parlent ici. Et puis, il y a tous les sites des médias qui ont des articles, des critiques sur. Alors, est-ce que tout ça, c'est relié? Pas du tout. OK? Alors, c'est là le problème. Le problème essentiel, c'est qu'il y a plein d'informations culturelles disponibles. Okay? Mais pour que ce soit vraiment utile à une personne qui veut faire soit des recherches ou soit connaître ou trouver des informations sur un événement, un lieu ou une personne, il faut le faire à la main actuellement. Okay? Alors, c'est un peu le parent pauvre du web sémantique. Je pense que c'est un secret pour personne que la culture, c'est pas ça qui attire l'argent, là. Okay? J'aime bien, ça serait bien que les gens comprennent comme. Ça dépend Ouais, mais là, on parle pas d'industrie culturelle, on parle de culture. Ouais, c'est ça. Oui, mais oui, c'est sûr que oui, c'est ça, les salles de spectacle, on tombe dans l'industrie un peu, là. C'est bon? Alors, revenons. Alors, si vous me suivez, si vous êtes d'accord avec mon constat de base, je continue, sinon, mais ça s'arrête là, puis on prend une pause. Alors, vous êtes d'accord avec mon constat? Alors, je vais rentrer dans plus technique, OK? Mais je vais essayer de faire ça comestible. Le néné, il est crainte, là. Okay. Alors, ça, c'est la fiche du registre répertoire, oui, pas confondre avec registre. J'ai Isabelle qui me dit. Isabelle Jacques, qui est mon contact là-bas, qui s'occupe entre autres là, du répertoire. Alors, vous avez une fiche ici qui vous dit le moulin, une entité ici, est un moulin à eau. Vous avez une information ici. Construit en 1846, l'édifice en pierre, OK, se situe dans le secteur à l'intérieur de la ville de Saguenay. Donc, il y a de l'information ici, OK, que vous ne retrouvez pas directement sur le reste du site du répertoire. Okay, il y a de manière formalisée que le moulin est un moulin à eau. C'est peut-être intéressant, ça. Moi, je ne m'intéresse pas au moulin à vent. J'ai passé 6 mois aux Pays-Bas, puis j'en ai marre des moulins à vent. C'est le moulin à eau qui m'intéresse. Mais là, ça, il faudrait écrire moulin à eau, c'est bien beau, mais ça ne va pas nécessairement donner l'information. En plus, je ne sais peut-être pas comment ça s'écrit, moulin à eau. Eau, c'est-tu E-A-U ou c'est O? Alors, ça, ce qu'il faut faire ici, il faut prendre cette information et la formaliser. Voilà, c'est technique un peu. Là, je veux vous donner l'impression que vous êtes intelligent, là. Vous l'êtes. Vous voyez très bien ici, vous avez une entité. Ça, c'est du RDF dans le format Turtle. Donc, vous savez pourquoi j'ai pris ce format-là. Michel vous l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui est compréhensible par les humains. Alors, ça, c'est le nom de ma ressource. Vous avez bien compris ici, c'est le nom de ma ressource ici. Je donne des informations sur cette ressource-là. Vous avez compris, son type, c'est un watermill. C'est un moulin à eau. OK? Pourquoi? Ça, c'est un. DBO, là, ça, c'est parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Dans le web sémantique actuel, il existe déjà le concept de watermill. Fait que là, si vous prenez votre entité du répertoire patrimoine culturel, puis vous faites un lien avec ça, mais vous venez de faire quelque chose de fort, là. Parce qu'il y a un concept que tout le monde peut utiliser, auquel vous avez associé votre ressource. Ici, on c'est un monument, l'année de construction. La localisation, qui est la Terrière Québec, ça, regardez encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé, cela-là. OK? Il y a sur DBpedia, qui est une version web sémantique de Wikipédia, il y a la Terrière dedans. OK? Donc, c'est de l'information. Et vous avez une propriété qui existe déjà dans la web sémantique, Construction Material, que j'ai réutilisé ici pour dire que c'est fait en resource rock, en pierre. OK? Donc, vous voyez ici, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pris que des connaissances qui existent déjà sur le web sémantique, je n'ai qu'ajouté ce qui manquait dans la description. Alors, ce qui est en noir ici, ça existe déjà dans DBpedia. Ce qui est en rouge, je l'ajoute à partir de la fiche du répertoire que je viens de vous montrer. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le travail, c'est qu'on a déjà de l'information et nous, ce qu'on doit faire, c'est ajouter. Ça, c'est pas fini. Puisque l'association des propriétaires de maisons anciennes, bien, vous savez, si vous voulez l'acheter, sachez que les taxes municipales, c'est 4 264 en 2014. Ajoutez les scolaires, ça fait 5 300. Je pense que je vais rester à Montréal. OK? Mais ça, bon, OK. Mais ça peut être intéressant de savoir. J'ai de l'information sur la maison, les taxes qu'il faut payer, je pourrais l'ajouter. Donc, on va ajouter ici. Là, on rentre dans un autre problème, là.
Ça n'existe pas. Enfin, je n'ai pas trouvé d'endroit dans le web sémantique où le concept de taxation existe, est implémenté. On n'aime pas ça, les impôts, fait que les gens n'ont pas voulu, je pense, les représenter. Alors, il a fallu que j'ajoute ici ma propre ontologie, quel concept de taxation, okay, d'impôt, en fait, que j'ai mis en anglais ici, et pour dire que c'est une taxe municipale, l'année 2014, sa valeur était celle-ci. Okay? Donc, dès l'information, vous voyez, mon moulin il est de plus en plus riche en informations. Vous allez au site de Érudit, bien, regardons ça, toi. Paul Trépanier, qui est un historien d'art, rédacteur en chef de Continuité, a écrit un article sur le moulin du Père Honorat. Alors, on va donc ajouter dans notre représentation un lien entre l'article ici, qui a pour sujet notre moulin du Père Honorat. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? J'en ai fait que trois. Avec trois sources, on a enrichi l'information sur une entité patrimoniale, okay, qui est maintenant accessible à la machine. N'importe quelle machine va pouvoir utiliser ça pour faire des applications. Okay? Je vais vous avoir un exemple plus tard de genre d'application qu'on peut faire avec des données de ce genre-là. Ça va? Donc ça, c'est ce que le web sémantique nous permet de faire et c'est ce qu'on voudrait faire. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Je me suis amusé. Il y a deux diapositives qui correspondent à l'idée originale de ma présentation. Fait que vous voyez, c'est quand même pas tout à fait... J'ai pas tout à fait triché. Je vais juste donner une idée. Qu'est-ce que vous avez en partant? Si vous voulez, d'ailleurs, il faudrait que je vous le montre. Je n'aurais pas mis à bonne place. M'excuser, là, du... C'est là qu'il fallait le mettre. Ça, c'est le web sémantique actuellement. Okay? Chaque petit cercle est un ensemble de données et les lignes, c'est ceux qui sont reliés. C'est les lignes reliées ceux qui font des liens avec d'autres données d'une autre base de données. Ce qui est important pour vous de voir ici, c'est que tout le monde semble se brancher sur quelque chose. Là, je vais être bleu, là, je m'excuse. Là. Tout le monde semble se brancher ici. Vous voyez? Alors, ça, c'est des Bpedia. Donc, vous avez tout de suite compris que si vous voulez faire quelque chose d'intéressant dans le web sémantique, ben, vous avez intérêt à regarder qu'est-ce qui est représenté dans des Bpedia. Parce que c'est votre courroie de transmission qui va permettre de faire des liens avec d'autres données qui l'utilisent. Donc, là, je reviens en arrière, excusez-moi, là. Ça, c'est parce que j'ai terminé mes corrections à 2 heures cette nuit. Donc, j'ai fait une petite erreur dans ma présentation. J'ai mal déplacé mes affaires. Alors, j'ai regardé combien il y a de... vous savez, dans Wikipédia, il y a des catégories. Musiciens, poètes. Combien il y a de catégories où il y a le mot québécois ou québécoise dedans? Il y en a 443 là-dessus. Il y en a... Et j'ai regardé combien là-dedans concerne des films québécois? 468. Des chanteurs québécois? Hommes et femmes, ça fait 421. Des humoristes, 168. c'est pas une preuve, ça, que les humoristes sont populaires au Québec. Il y en a presque autant que de chanteuses. Il y en a plus que de chanteuses, même. 134 romans québécois, 200 musiciens québécois, 59 musées québécois. Mais c'est quand même intéressant. Il y a 59 musées québécois qui sont représentés dans des Bpedia. Ça veut dire que vous avez des points, là. Si vous voulez dire que le Musée des beaux-arts du Québec, par exemple, il est là. Il y avait moyen de faire un lien. Okay? Il est là, déjà, là. Les poètes, 268. Plus de poètes que d'humoristes, quand même. Ça, j'ai aimé ça. Ça m'a fait rire. Peintres québécois, 173. Des festivals, 31. Il en manque, c'est certain, là. J'ai pas regardé celui de la Poutine est là, mais il doit y être. Jeux télévisés québécois. Juste pour vous montrer que ça peut être très, 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 très détaillé, là. 40. Regroupement d'institutions muséales québécoises. Il y en a trois, ça existe, là, ça. Puis la SMQ n'est pas dedans, ça m'a surpris. Société des musiques du Musée du Québec n'est pas dedans. Il va falloir que quelqu'un fasse une entrée Wikipédia pour la Société du Musée du Québec. Ça, c'est français. Mais le vrai DPPédia, celui qui est utilisé, c'est l'anglais. Et là, ben, j'ai quand même trouvé en anglais, 264 films québécois,
des chanteurs francophones canadiens sont en Lyon. Parce qu'en anglais, le problème qu'on a, si vous voulez viser le Québec, ou ben là, souvent, il n'y a pas de distinction entre Canada et Québec là, dans les Wikipédia. Ils ne précisent pas l'état dans lequel se trouve l'artiste. Les comédiens, 55. Les romans en français, 21. Les musiciens du Québec, 187. Les musées et galeries d'art, 18. Les poètes, hey, les poètes sont vraiment à l'honneur dans Wikipédia, 119. Et des artistes du Québec, ça, c'est des artistes. J'ai cru comprendre qu'un peintre, un peintre, c'est un artiste en anglais parce que c'est 120 peintres. Bon, donc même dans le Wikipédia anglais, vous avez de l'information sur des ressources culturelles québécoises. Donc, la conclusion de ça, c'est que l'information, il y en a actuellement. Le problème, c'est sûr qu'il y en a peut-être pas assez, OK? Il y en manque, mais il y en a déjà. Et c'est des informations desquelles on ne tire pas profit actuellement. Si je reviens à un exemple, j'ai pris Alfred Pellan, j'en avais un peu marre du moulin, et je suis allé voir dernièrement ses œuvres au Musée des beaux-arts de Québec, et j'ai vu que j'étais encore amoureux des œuvres de Pellan, fait que je me fais plaisir en même temps. Alfred Pellan, vous avez une entrée dans Wikipédia. Wikipédia, le vrai, là, celui qui est en anglais. Parce qu'il faut dire que Wikipédia, il y a une version officielle qui est basée sur l'anglais et des versions localisées qui sont dans chacune des langues. Mais celle qui est utilisée comme courroie de transmission, c'est celle qui est basée sur l'anglais. Donc, on a l'entrée de Wikipédia, c'est votre point de départ. Mais de là, vous allez découvrir, bon, vous allez découvrir qu'il y a un lien qui est fait entre ça et elle s'appelle là dans une autre base de connaissances qui s'appelle Iago. Et vous allez avoir des informations ici, différentes là, de, bon, les enfants, on peut savoir qui sont les enfants d'Alfred Pellan, etc., etc. OK? Ça, je vous passe les détails. Vous allez découvrir aussi que, pour les bibliothécaires ici, il y a un lien entre Wikipédia et VIAF, qui est fichier d'autorité. OK? Donc, si vous allez avoir toutes les dénominations d'Alfred Pellan, vous les avez ici. Donc, ça peut être pratique dans certains cas. Vous avez aussi un lien avec Wikidata. Wikidata, qui est un... En fait, Wikidata, c'est un Wikipédia de données. Wikipédia, ce qu'on fait quand on entre des informations dans Wikipédia, on les entre sous forme de texte. Alors, les gens, quand le web sémantique est devenu de plus en plus populaire, on dit, on va ouvrir une autre encyclopédie qui va être Wikidata, où là, on n'entre pas des textes, mais on entre des données. Et on en a sur Alfred Pellan, ça ressemble à ceci. Donc, vous avez ici Alfred Pellan et toutes les informations que vous avez sur lui. On ne voit pas grand-chose, mais vous allez avoir toute la liste des propriétés d'Alfred Pellan. Qu'est-ce qu'il a peint? Qu'est-ce qu'il a gagné comme prix? Et ça, vous pouvez, c'est comme Wikipédia, vous pouvez mettre à jour Wikidata. Donc, et on peut même aller ça, c'est un site allemand. J'ai découvert qu'il y a des artistes qui sont représentés, des peintres, dont celui-là, le 62446, c'est Alfred Pellan. Donc, vous avez des informations sur un site allemand sur Alfred Pellan. C'était ça ici. Donc, pour vous donner une idée, il y a quand même une certaine richesse, OK, même s'il y en manque. Je vous montre juste ici, si vous allez dans Wikipédia, qu'est-ce que vous avez comme information sur Alfred Pellan? Vous avez bon, une description en texte de qui il est. Un prix qu'il a gagné, il en a gagné une cinquantaine, mais il y en a juste un dans les Wikipédia. Okay? Son nom, dans quel domaine il a travaillé. Il a travaillé en peinture. Il a été influencé par le surréalisme, le cubisme, le fauvisme, le modernisme et il est canadien. Il a été formé à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Il est mort à Montréal. Il est né à Québec, etc. Donc, on a quand même des informations de base. Okay? C'est pas complet, mais on a un point de départ. Okay? Et si on va en français maintenant, il y a d'autres informations qui apparaissent. Entre autres, il a aussi été influencé par Pablo Picasso. Donc, un problème que vous allez avoir si vous voulez sémantiser vos données culturelles, vous allez voir que les informations ne sont pas les mêmes dans. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, il va falloir faire des recoupements et des fois, il peut y avoir même des informations contradictoires. Et puis, c'est intéressant, on sait qu'il a été illustrateur, peintre, costumier et muraliste. Donc, selon les entités que vous allez rechercher, vous allez avoir plus ou moins d'informations.
Voilà. Ça va? On a compris un peu l'idée, ce qu'on veut faire, ce qu'on préfère. Quels sont les défis maintenant? Alors, oh, j'ai oublié, c'est pas ma dernière version. C'est bon, tant pis. Le numérique n'est pas une transposition, c'est une transformation. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit cette phrase-là. C'est Philippe Michon qui a travaillé avec nous sur le projet, qui l'a sorti. Je sais pas d'où il l'a prise, mais en fait, je voulais savoir d'où ça vient. Moi, je l'ai de Philippe Michon. Hein? C'est ça. Alors, lui, d'où il l'a pris, j'ai oublié de lui demander. OK? Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment, je trouve que ça exprime vraiment le défi de faire de la culture numérique. C'est quand on veut numériser, c'est pas juste prendre les données et les mettre en format numérique. C'est bien plus compliqué que ça. Vous allez voir après tout ce que ça nous a demandé, nous. C'est vraiment, il faut transformer de manière à ce que ce soit utilisable agréablement et facilement, et etc. Mettez tous les épithètes que vous voulez. Et il faut pouvoir, entre autres, on veut faciliter les différents usages possibles du contenu. C'est ça qui est la beauté de la chose avec l'objectif du web sémantique, si on réussit à l'obtenir, à y arriver, c'est qu'avec un même contenu, vous avez plusieurs possibilités d'utilisation. Vous voulez laisser la liberté aux applications de prendre vos données et faire ce qu'elles veulent avec. Ça, c'est la beauté de la chose. Pour y arriver, il faut identifier les ressources qui sont déjà existantes. Je vous en ai montré quelques-unes qui sont dans Libépédia, mais il y en a d'autres aussi, possiblement. Il faut, et là, c'est là que le bât blesse, là. Il faut créer une ontologie dans le domaine d'application et la lier aux ressources déjà existantes. C'est très peu probable que dans votre application culturelle, vous ayez déjà tout ce qu'il faut pour représenter vos concepts. Okay, ça serait, vous allez devoir faire votre ontologie. Vous utiliserez le G-hole de Michel si vous n'êtes pas trop familiarisé avec les ontologies, mais vous allez devoir le faire. Ensuite, il va falloir peupler la base de connaissances. Prendre vos données qui sont peut-être dans des textes, des bases de données, et les mettre dans l'ontologie. Et puis, il va falloir proposer des vues sur la base de connaissances. Ça, c'est beau. Moi, ce que je vais présenter maintenant, c'est une belle expérience. Okay. Alors, tout ça, j'ai pu le vivre avec une collaboration, un projet avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui voulait, toujours dans le plan culturel numérique, là, qui voulait expérimenter, voir dans quelle mesure le web sémantique est utile pour rendre disponibles des informations patrimoniales. Alors, ce qu'ils ont proposé comme sujet, c'est de traiter de la gouvernance politique sur le territoire du Québec. De 1612 à aujourd'hui. Ça, c'était leur domaine. Pour y arriver, ils ont lancé une cellule d'innovation, okay, dans le cadre du plan culturel numérique, et dans lequel est impliquée ben, mon équipe à Polytechnique, Philippe Michon, qui est un historien, qui a fait sa maîtrise dans le domaine du web sémantique, et le ministère de la Culture et des Communications. Et ça s'inscrit plus précisément dans le projet de refonte des systèmes dédiés au patrimoine. Donc, c'était le patrimoine qui était l'objectif, qui était le sujet précis. Et ce qui était visé comme objectif principal, c'est l'interopérabilité des contenus culturels, donc s'assurer que ça puisse après ça être lié à d'autres données, par exemple de la BNQ ou les musées du Québec ou des sociétés d'histoire. L'idée, c'est ça, c'est d'en faire une plateforme qui permet de rendre les données, les informations interopérables. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On aimerait, par exemple, comprendre la fonction de gouverneur général de la Nouvelle-France sans être obligé de consulter toutes les fiches des personnes qui ont occupé ce poste. Pour y arriver, on a regardé d'où on partait. Donc, la situation actuelle, c'est un site classique d'information. Là, je vous ai mis Montmagny. Donc, vous avez sa fiche, une synthèse, vous avez certains liens. Des mobiliers associés, des plaques, des personnes associées, des événements. Mais les liens entre les événements, par exemple, la Fondation de Montréal et Montmagny, ce n'est pas nécessairement clair que vous allez avoir un lien sémantique qui va dire Montmagny a fondé Montréal. Okay? Il n'y a pas de lien formel qui est fait en RDF, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être écrit dans le texte. Okay? Mais il y a quelque chose de semi-structuré ici, quelque part. Alors, au départ, première chose fondamentale, il faut essayer d'imaginer à quel genre de questions on veut répondre. Dans le domaine culturel, alors les gens du ministère de la Culture ont fait l'exercice, ils nous ont pondu un paquet de questions, certaines qu'on aurait voulu peut-être qu'ils ne nous mettent pas dans la liste, parce qu'elles sont compliquées, mais c'était leur... Alors, qui a occupé ce poste? Qui occupait tel poste entre telle date et telle date? Quel poste a occupé telle personne? Vous voyez, ça couvre large, là. Qui a occupé ce poste pendant que telle autre personne occupait un autre poste? Qui était le plus jeune à avoir occupé tel poste? À telle date, le poste du gouverneur, c'était quoi? Ça voulait dire quoi, ça?
c'était quoi les relations avec les autres, bon, etc., etc. Là, on avait des questions comme ça. Et là, on s'est dit, ben, OK, c'est facile, hein? Ben, du côté de la culture, ben, la chose est simple. Voici nos questions, répondez-y maintenant. OK. L'historien a fait sa job, il nous a sorti ça. OK? Très bel job, Philippe, j'ai félicité Philippe, excellent, c'est très bien, beau travail d'historien, mais ça, c'est pas automatiquement représentable en RDF. Alors, il a fallu mâcher ça un peu pour produire une modélisation ontologique. Et là, je dépasse tout le temps, là. Vous me surveillez, M. Patton, là? Ça vient. Ça en vient, que ça ne sera pas tellement long, de Je toute laisse façon. encore de loin. Non, ça va. C'est C'est presque bon? bon. OK. Merci. C'est bon. Alors, première chose à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder quelles sont les ressources qui existent déjà. Mais là, on est dans le monde patrimonial, mais on ne peut pas passer à côté de SIDOC CRM, qui est une modélisation, qui est un modèle pour représenter justement des données patrimoniales. Okay? Donc, il faut le regarder. Et ensuite, on parle de gouvernance, on parle de temps, c'est des éléments historiques, c'est sûr que la notion de temps va exister. Alors ça, ce sont deux ontologies qui existent déjà, à laquelle on a greffé la nôtre ici qu'on a dû développer. À quoi ça ressemble en pratique? J'ai pas pris J-Hole, j'ai pris Protégé ici. Mais vous voyez ici, tu m'en excuseras Michel, c'est parce que moi je suis un pro de web sémantique, tu comprends? Vous voyez ici qu'on a dû créer, vous voyez là, ça ne vous surprend pas qu'on a dû créer Document Creation, c'est des historiens, ils sont fatigants les historiens. Un événement, ce n'est pas suffisant, faut savoir qui, à quel document on a spécifié cet événement-là. Qui a mis la date là-dessus? Ils sont fatigants, il fallait avoir plein de types d'événements différents. Donc, le rôle de gouverneur général, il a disparu à un moment donné, ou il apparaît, ou l'intendant, c'est un rôle qui a disparu. Donc, il y a plein d'événements qui ont été associés, qui ont été greffés à, ici, vous voyez, ce qui est qui est pas en gras, à des concepts qui existent déjà dans le web sémantique. Ce qui fait que si on parle d'une création de rôle, on sait déjà que c'est un événement historique qui est lui-même un intervalle. Hein, il y a un choix ontologique qui a été fait ici. Un événement, c'est un intervalle de temps. Ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les domaines, mais ici, du point de vue historique, ça faisait du sens. SIDOC, ben, ouais, tout ce qui commence avec les E, machin chouette, ça, c'est des concepts qui sont du SIDOC CRM, mais il en manquait. Nous, on voulait avoir le concept de l'occupant d'un poste, celui qui occupe un poste. Qui occupe le poste de gouverneur à telle année? Okay? On pensait que c'est simple, ces affaires-là, mais ce n'est pas du tout. Si vous voulez des choses simples, là, faites pas de projet qu'un historien. Okay? Et finalement, on a établi une éthologie. Là, bon, là j'ai à peu près. J'ai une minute pour passer à travers tout ça, c'est bon? Vous avez vite assez. Mais ce que je comprends l'idée, c'est qu'il a fallu que nous, on fasse notre propre vision du monde, ici, culturel, où on avait le rôle de celui qui occupe un poste et le poste lui-même. Il a fallu séparer le poste et celui qui occupe le poste. Alors, je vous passe le reste, là, c'est pas important. Et finalement, ben, le ministère a été à peu près content, okay, parce qu'on a répondu à tout, ou presque, sauf ce qui est en parle. Et ce qui est en parle, je le spécifie, c'est filmé, ça va être dit, là. C'est en grande partie parce qu'il nous manque des informations que le ministère ne nous a pas fournies. Non, c'est pas en grande partie. C'est aussi parce que il y a des concepts qui n'existent pas. Parce que dans la discussion avec les gens du ministère, il y a des concepts qui n'avaient pas été ressortis et qui n'existent pas. Donc, dans une phase 2, ils seront ajoutés. Mais c'est quand même intéressant ce qu'on a réussi à faire. Par exemple, ici, là, vous allez devoir. Là, il faut bien que vous travailliez un peu, là. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué, là. Ça, c'est du Sparkle. Michel a parlé tout à l'heure d'une sorte de SQL pour faire des requêtes. Bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que on va avoir. Ça va être disponible dans les prochaines semaines. La gouvernance Québec va être disponible. Vous allez pouvoir faire votre application, envoyer des requêtes. Et ça, c'est une requête qui va donner l'âge moyen d'entrée en fonction pour le poste de gouverneur général de la Nouvelle-France. Requête, c'est facile à comprendre, ça. Je cherche une personne. Non, regardez. Je cherche une personne qui a occupé un poste, lequel, étant dans la Nouvelle-France, il y a une certaine année ici, où il a commencé, OK? Ensuite, le poste a commencé quand? Et puis, je fais la différence entre le début du poste et son année de naissance, et je vais voir son âge, je fais la moyenne, ça, c'est la moyenne, paf, OK? Vous êtes assez intelligent, là, vous allez prendre peut-être 2-3 heures, vous allez faire votre requête, OK? Je vous fais confiance, vous allez y arriver. Oh, il y a des éditeurs de requêtes. Hein? C'est ça, Il y a c'est des bon. éditeurs de requêtes.
Et là, ça va donner quelque chose comme ça. Ben nous, ben, ça va donner la réponse, bien sûr. Là. Je me souviens plus c'est quoi. Je pense que c'est 50. Ouais. C'est pas jeune, mais c'est assez jeune, 50 ans. L'espérance de vie, c'était quoi à l'époque? Oui, mais si on regarde, on a pu voir qu'ils sont pas là longtemps. Hein. Oui, c'est ça. Okay. Et là, bon, le problème quand vous faites quelque chose avec la culture, OK, c'est que les gens veulent le voir pour le craindre. OK? Alors, c'était pas pris. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a fait un truc. Finalement, ça a donné. On a été censé faire quelque chose de simple juste pour faire une petite preuve de concept. Mais finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été fait. Alors, vous avez une application web. Vous avez un petit curseur. Mettez la date ici. Et puis, vous avez la structure de gouvernance qui change au fur et à mesure. Direct. Et ça marche comment? À chaque fois que vous avez une date, vous avez des requêtes Sparkle qui sont envoyées à la base de connaissances pour mettre à jour les données. Et là, si on clique sur quelqu'un ici, il apparaît sa fiche. Oups, pardon. Il apparaît une fiche qu'on est allé chercher. L'information, on va la chercher dans des Bipédia, sur le site de BNQ, en principe, et sur plein de sites. Et l'information va apparaître si on clique sur... Là, vous voyez qu'en cette année-là, il y en avait deux. Là. Un qui finissait, puis qui commençait. Et ainsi de suite, vous avez qui étaient ses subordonnés, qui était son supérieur, etc. L'information est disponible, peu formalisée, bruitée, dispersée dans les silos. Ça, c'est, je l'ai dit, vous l'avez compris, mais bien écouté, pas de problème. Conséquence de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y en a avec la conclusion? Les technologies du web sémantique forment une partie de la réponse. Une partie de la réponse, pas toute, là, OK, à ce problème-là. Il faut fournir un effort pour structurer les connaissances, c'est important. Et puis, il faut fournir aux créateurs et gestionnaires de contenu des moyens simples pour se greffer au web sémantique culturel. Ça, c'est le grand défi dans lequel nous, on va s'attaquer. C'est quand vous avez un petit musée d'histoire dans une petite ville du Québec, vous ne voulez pas donner... Vous ne voulez pas avoir affaire au ministère de la Culture, à la BNQ, les autres. Ils sont bien trop gros, là. Ils vont être contents si vous prenez leurs données puis vous allez les chercher directement. Ils les changent chez eux, puis c'est réglé. C'est ça qui va faire que ça va marcher. Si le petit musée d'histoire de la ville de Joliette a ses données chez elle, elle fait juste les rendre publiques, et c'est au rôle de la BNQ, des sociétés du musée, de ministère de la Culture d'aller les chercher, pas d'aller les mettre sur le ministère. C'est des joueurs trop gros pour que ça marche. Ils ont déjà d'autres rôles à jouer, là, la BNQ pour le ministère, puis les autres, les grands musées. C'est bon.